À Dour? Ah, cool. Ouais, à 4h. Ouais, ok. Du matin? Non. Ah, parfait. Oui. Après l'Afrique. Hein. Ouais. T'as joué le plan, Dumé? Il peut se déplacer aussi. Hein. Ouais, et j'ai quitté la maison à 6h ce matin. Ouais. Et donc j'ai pas vraiment dormi le soir avant. Donc, ouais. Ok, puis bon, c'est la vie. Vous repartez demain ou? Alors qu'est-ce qui a changé chez Nada Surf entre 2003 et 2012? Eh bien, on sera 5 ce soir. Il y a le guitariste Guided by Voices qui s'appelle Doug Gillard. Il y a le trompettiste clavieriste de Calexico aussi. Et plus de disques, donc il y a plus de choix de chansons. Mais à part ça, ouais, deux membres en plus et plus de chansons, à part ça, rien n'a changé. Et le titre, The Stars Are Indifferent to Astronomy, c'est une expression de mon père, il est prof de philo. Et c'est quelque chose qu'il dit en classe de temps en temps pour illustrer le fait que nous, comme humains, on devrait avoir plus d'humilité parce qu'on n'est pas aussi important qu'on croit. La seule chose qui est différente des autres 10, c'est que j'ai essayé d'écrire un petit peu moins de moi-même. Je voulais sortir de moi-même un petit peu. Quand on a sorti If I Had a Hi-Fi, notre disque de version, on a célébré la sortie avec 3 concerts. On a fait To Let Go un soir dans un club à New York, et puis To The Weight Is A Gift le prochain soir dans un autre club, et To Lucky, même chose. Et pour réapprendre les chansons sur ces disques que j'avais un petit peu oubliés, j'ai dû écouter ces 3 disques beaucoup. Et j'ai remarqué quelque chose que je crois beaucoup de gens qui écrivent des chansons remarquent un jour, c'est que j'écris la même chose sans cesse. Je réécris la même chanson. Et beaucoup de notre catalogue, il y a beaucoup de choses où je me regarde dans un miroir psychologique un petit peu. Et je voulais changer ça. Le disque de reprise, c'était vraiment pour acheter du temps. C'est-à-dire que l'horaire normal pour un groupe, c'est on fait un disque, on tourne, on écrit. On fait un disque, on tourne. Et moi, mon impression, c'est que quand on retourne de tournée, les autres dans le groupe, la vie est rose. Et pour moi, je suis chez moi. Oh non. Tu dois recommencer à écrire. Je suis déjà en retard. Il m'en faut 12 maintenant. Allez, on y va. Et c'est dur d'écrire comme ça. Tu le ressens vraiment comme ça, comme une pression Ouais. Ouais. Parce que c'est la réalité. Il y a notre manager qui m'appelle, ça va, tu te sens bien, qu'est-ce qui se passe? Tu écris aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors hier, c'était les 50 ans de la premier live des Rolling Stones. Vous pensez que vous aussi, vous allez faire des lives jusqu'à la fin? Pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis sûr qu'il y aura des grandes pauses là-dedans pour faire autre chose ou je sais pas quoi, ou pour juste arrêter et reprendre le goût, mais j'adore faire ça et donc ça me surprendrait pas si on faisait en 30 ans. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Merci. Cool, man. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci, je t'en suis pas couché pour 5 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.